une histoire qui vient de presque de notre plus tendre enfance, puisqu'à l'époque, au départ de la compagnie des Barbarins Fourchus, nous avons longuement travaillé en acoustique, dans la rue, dans les chapiteaux. Et puis, nous sommes ensuite partis sur des choses plus électroniques, plus électriques, plus fortes, plus puissantes. Et puis, petit à petit, comme une boucle, comme un cercle, comme disent les Indiens d'Amérique, nous avons souhaité revenir à quelque chose d'acoustique, sous la forme d'un petit orchestre de presque de musique de chambre, on pourrait dire, donc avec un violoncelle, un saxophone et une flûte et des voix et des textes. C'est pour cette raison aussi, pour avoir cette mobilité nécessaire à être en capacité de jouer à peu près dans tous les endroits possibles, imaginables, sauf sous la pluie, pour ne pas niquer les instruments. Bah, disons que voilà, notre projet, au départ, il avait plutôt cette intention d'être joué dans des petits lieux, en tout cas avec une certaine intimité. Donc, se retrouver comme première essai en face à un gros théâtre, ça nous a mis voilà, un peu plus de tension. Mais voilà, la certitude, c'est que voilà, la chose, c'était de retrouver, en fait, même s'il y a 22 000 personnes, c'est une forme d'intimité. Et en quelque sorte, je pense que c'était une bonne première approche et travail autour de ça. L'hiver, les murs sont pleins d'affiches pour vos fêtes et balles de charité. Et pour nous secourir le monde des riches, combien qui danse à notre santé. Et ouais, c'est ainsi. C'est grâce à la misère qu'on rigole pendant la saison. Là, faut bien qu'ils redorent leur blason. Faut bien qu'ils s'écarpattent. Et puis il faut que ceux de la politique y gagnent une popularité. Or, pour ça, le moyen le plus pratique, c'est de chialer sur la pauvreté. Moi, je me dirais, tiens, il y a du bon. Le jour où je verrai les socialistes et leurs amis royalistes et tomber de faim dans le ballon. Et puis, contemplons les artistes, les peintres, les poètes, les écrivains. Certains parmi nous, dans cette équipe des Barbarins, dans cette compagnie, certains ont eu une véritable formation de musiciens classiques, entre autres au conservatoire de Turin, et puis dans d'autres conservatoires, et puis d'autres pas du tout. Donc c'est aussi cette rencontre qui est un peu un achoppement, une pierre d'achoppement, qui fait qu'on arrive à mêler une forme de texte, une forme poétique, avec une forme musicale, et tout en gardant un certain côté un peu presque rock'n'roll, on peut dire, entre guillemets. Je veux dire juste que notre quête, notre recherche, elle a été de mêler différentes époques. Je lui ai dit conserve tes problèmes, je lui ai dit garde ton mépris, je m'y pénale, sans ton accord écrit. Je lui ai dit vacille la lune, elle est belle cette pute, allez vas-y moi, je reste ici.